pour son mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor le 19 mai dernier, Meghan Markle a demandé la mise en place d'assainisseurs d'air. Pour que son mariage soit une réussite, Meghan Markle avait des demandes très précises. Le Daily Mail a dévoilé dimanche 2 décembre dans un article que la duchesse de Sussex a fait la demande d'installation assainisseur d'air pour diffuser de l'eau ou du parfum. Le seul hic, Buckingham Palace a répondu. Non. Car l'ancienne actrice n'apprécie pas l'odeur de moisi qui flotte dans la chapelle qui date du 15e siècle. Alors, pour recevoir ses invités, elle a souhaité la faire disparaître. Le palais a expliqué que la chapelle Saint-Georges est un lieu où la reine Elisabeth II se recueille régulièrement et que, si ce n'est pas assez bien pour le couple, il est assez bien pour la monarque. C'est par ailleurs la grand-mère du duc de Sussex qui prend la décision finale. Une preuve supplémentaire que Harry et Meghan ont un comportement dictatorial, et peuvent avoir des rapports difficiles auprès du staff de la famille royale. Autre sujet de désaccord, le port d'une robe de mariée de couleur blanche et le choix de la tiare, désapprouvé par la reine Elisabeth II. Cette dernière aurait prévenu son petit-fils au sujet de son comportement. On your